dark side. I wanna be your left hand man. Salut tout le monde, ça va bien? Moi oui. Qu'est-ce qu'il y a ton pied? Il était dehors. Okay, je pense qu'il y a quelque chose. Du caca sur le pied. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, merde! Ah oui, hein? Mais oui! Bon, attendez, je vais vous déposer la tire. Non. Pardon. Ouais, il est présentement. Non, il n'y en a plus. 9h35. Puis, Maude. Maman, Maude, tu t'en viens. J'ai hâte de la voir. Elle va venir vers. Vers 10h. Je pense qu'elle part. Autour de 10h. Non, il n'y en a plus. Là, je vais mettre mon coton ouaté. Faut vraiment que je vous montre ça, là. C'est un coton ouaté que j'ai commandé sur le site Gazelle Atelier. Puis ça, c'est à cause de Glitter Carpenter. Elle en avait un. Puis c'était des écritures, le fun, genre, les phrases qui est dessus. Fait que ça, c'est le mien. Je suis maman. J'aime boire mon café froid. En dessous, note hashtag vie de maman. Il est tellement confo, là. C'est fait grand, genre, c'est écrit sur le site, là, que c'est fait grand. Ok, donc ça c'est un médium. Je vais vous montrer. Non, j'ai dit maman, mange pas les tomates. Attendez. C'est pas des bananes, c'est des tomates. Oh, qu'est-ce que tu viens de faire? Non, mais c'est pas les tomates. C'est des tomates. Mais voyons. Vous mangez des tomates à 9h30 le matin. Ok, je reviens. Bon, j'ai réglé le problème. Il voulait des tomates. Il aime pas les tomates. Tu veux un pain? Il aime les tranches de pain, genre demain. Il a déjà déjeuné en passant, là. Voilà. C'est pas que je nourris pas mon fils. Fait que, c'est ça. Là, Anthony était à son examen. Ok, c'est ça que je vais dire. Le coton maté, je l'ai. Voyons, ça s'occupe pas. Ça fait 3 jours que je l'ai. Et je le mets en tout temps. Genre, il est juste trop confort, là. C'est comme vraiment grand et lousse. C'est tellement confort, je me dis, là, j'ai dormi avec les 2 derniers jours. Fait que, c'est ça. Je l'ai remis. C'est ça, avec moi, tu s'en viens. Là, je vais juste ramasser la cuisine toute traîne de déjeuner. J'ai finalement réussi à déjeuner. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que j'ai pas vlogué les 3 derniers jours. Ah oui! Et Maverick a dit son 2e mot. Devinez quel était. Je l'ai dit sur Instagram, là, en passant. Son 2e mot est auto. Il a dit auto, c'est tellement drôle, mais tu sais, son frère dit souvent auto, c'est que... C'est ça. Il a dit auto. Oui, ton frère. Puis là, ce matin, il a dit non. J'ai donné sa toast et il m'a répondu non. J'étais comme. Puis ça, il tentait pas de manger. Non, non, non. Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il a pas juste dit une fois maman. Maintenant, il le dit souvent. Puis c'est vraiment en contexte. Là, genre qu'il était avec son père. Il a vraiment fait sa maman. Puis là, il s'est retourné vers moi. Puis il est là, maman! Comme ça. Ou genre, il pleurait dans sa chambre. J'ai été le chercher. Puis dès que je suis rentrée, maman! C'est vraiment drôle. C'est vraiment spécial. Maman! Ton frère, il dit ça! Maman! Fait que c'est quand même très drôle. J'étais très fatiguée ce matin. Ça fait 2-3 nuits là, que ma mère qui se réveille genre à chaque heure. Oh, j'ai oublié mes pilules allergiques. Je suis allée les prendre. Je vois la porte là, de dehors. On mange du barbecue avec Maude! Maude est là. Allô! Maverick vient de se réveiller. Jeanne est là. Fait qu'Anthony a fait du barbecue. Fait que c'est des brochettes de porc, des légumes sur le barbecue, puis des patates frites. Non, il est vraiment plus tard. Il est 4h30. Je vais tout déposer dans l'armoire. Ouais, il est 4h30. Fait que je vous ai pas vlogué ma belle aujourd'hui, mais c'est ça, Maude est venue avec sa fille. Fait que c'est ça, j'ai comme pas vraiment pensé à sortir ma caméra. Je pense que j'ai juste filmé ce midi. Mon coton ouaté, comme je sais, je l'aime tellement là. Genre, tantôt Maverick a vomi sur ma
sur mon truc, puis j'ai juste plié ma, mon coton ouaté, puis je l'ai gardé. C'est trop confortable. Bon, Jaden est en train de faire une sieste, puis m'a recoussé, mais Jaden va sûrement bientôt se réveiller. M'a recoussé, en fait. Fait que là, je vais en profiter pour, parce que j'ai rien rangé, là, du midi, puis il y a quand même pas mal de vaisselle. Je vais vous montrer ça. Il y en a pas mal, vraiment. Oh, l'armoire verte. Il y a tout ça. Et tout ça. Puis dans le fond, mon lave-vaisselle est pas vidé. Fait que faut que je vide ça en premier. Mais c'est fou de gratter le nez à cause de mes allergies. En tout cas. Fait que c'est ça. Hier, j'ai pas vlogué, mais on a fait une grosse épicerie au Costco. On a acheté plein, mettons, de viande. Puis tout ça, c'est genre la grosse épicerie, là. Mon retour au travail. Ben en fait c'est que on a fait ça pour avant que je vais vous montrer quelque chose pour ça juste. On a fait ça avant la fin de semaine, mais dans le fond ils vont juste nous rester acheter, tu sais, mettons des fruits et légumes, des trucs pour compléter les recettes. Puis là on avait acheté ça aussi, la salsa à la mangue. Comme ça j'ai vraiment hâte d'écouter, genre je sais pas trop avec quoi écouter exactement, mais c'est 0 point pour ceux qui font Weight Watchers, puis je l'ai vu beaucoup passer dans l'application là, parce que dans le fond les ingrédients là c'est comme la mangue, mangue, poivron rouge, coriandre, oignon, jus de lime, piment jalapeno, vinaigre, jus de citron, sel de mer, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte d'y goûter. Ça dit que c'est doux. Fait que, ben moi j'aime ça piquant, mais c'est une salsa de mangue. Alors, c'est ça. Fait que je vous ai pas vlogué, hein. C'est rare, je vlogue pas mon épicerie, mais c'est ça. Fait que là, on savait pas quoi souper dans le fond, parce qu'on avait pas des jus de viande. Fait que je vais voir ça. Là, je me suis pesée ce matin. Puis, tu sais, malgré le fait que j'ai mangé de la poutine, j'ai mangé du popcorn avec du beurre, puis tout ça. J'ai perdu 1,8 livre depuis la semaine passée. Fait que je suis rendue à... combien? 37,8 je pense. 38 livres de perte, je sais plus. Je suis vraiment rendue à beaucoup. Ok. C'est vraiment fun parce que j'ai vraiment pas l'impression de me priver et tout ça. Puis là, juste pour faire un petit update, parce que dans le dernier... l'avant-dernier vlog en ligne, je vous parlais comme... je sais pas si je fais de l'anémie ou quelque chose, mais en tout cas là je mange pas mal de légumes verts beaucoup puis tout ça, mais en tout cas je vais mieux depuis les deux derniers jours. Puis je sais pas, c'est peut-être aussi juste la fatigue qui est due à cause de mes nuits là. Ça j'ai réalisé qu'il se réveille plus que je pensais parce que je regardais jamais l'heure, mais là j'ai réalisé qu'il se réveille quand même pas mal en regardant l'heure. Fait que c'est ça là, c'est peut-être juste ça. Comme aujourd'hui je suis pas fatiguée pantoute là, fait que... en tout cas, je vais ranger en écoutant des vidéos sur YouTube. J'ai presque fini de tout ranger. En fait, j'ai fait la vaisselle. Là, je suis en train de nettoyer ma table. Le produit est dessus. Puis, il est rendu 5 heures. Puis, en fin de compte, ben, parce que mon père... ah, oh, j'avais pas dit. Mon père était parti se promener avec Jaden. Jaden qui était pas mal énervé. Fait qu'il était parti se promener avec lui. Puis, il a dormi, en fin de compte. Tantôt, je lui ai dit qu'il dormait, mais dans le fond, il dormait plus. Il a dormi comme une heure en carrosse, puis là il allait au parc avec lui. J'ai eu le temps de tout laver, puis sans me faire déranger. Puis oh, je vais vous dire, à chaque fois que je vois la fille à Maude, ça donne vraiment envie d'avoir une petite fille. J'ai vraiment hâte de, ben si un jour je le vis là, de vivre ça, genre d'avoir une petite fille, genre c'est différent qu'un petit gars. Genre. En tout cas, si j'ai la chance de le vivre un jour. Ça doit être tellement différent que d'avoir des petits gars. Puis je suis sûre que ceux qui ont juste des filles, mettons, ils disent la même chose, comme qu'ils aimeraient vivre. Genre, c'est quoi un petit gars? Fait que, en tout cas, c'est ça. Fallait que je dise ça. Puis tu sais, c'est vraiment. Tu sais, c'est le fun à voir parce que ma frère puis la fille à Maud, ils ont 10 jours de différence. Fait que, c'est ça. Ah, hier, on a acheté du 7-Up Diet. Oh! Ça va être mon père. Au Costco. Je vais ranger. Mon papa est là! Ma frère. Ouais, ben dans le fond, Tony est en train d'étudier, fait que j'ai préparé le souper, fait que c'est ma petite salade, ben qu'on va tout séparer, feta, olive, petite tomate, petit
tomate cerise. Je n'ai pas mis la vinaigrette encore. Je vais la mettre après, là, parce que c'est pas prêt encore. Puis il y a du poulet dans le four. C'est du poulet farci au brocoli. Le riz. Puis des petits oignons verts pour mettre sur le riz. Fait que ça va être bon. Puis ah, c'est ça, les tomates cerises, dans le fond. J'ai acheté eux hier au Costco. C'est la première fois que je goûte à eux. Puis ils sont vraiment bonnes. Ils étaient genre 2$ de rabais ou 1,50$. On a déjà full utilisé. On a mangé pour dîner. Puis là, ben, c'est ça. J'en ai mis dans la petite salade. Allô tout le monde. Je sors de la douche. Ouais, je sors de la douche, puis je voulais vous montrer quelque chose. Là, on est vraiment plus tard. Je pense que... Hey boy. La dernière fois que je vous ai filmé, c'était au souper. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a souper avec mon papa. Puis après, oh my god, je vais dire, bon. Après, il était de chercher des McFlurry. Puis, mon dieu, toutes les fois que j'ai pris une crème glacée cette saison, je vous dis, genre, mon corps après... Mon corps aime pas ça. Genre, j'ai super mal au ventre. C'est vraiment intense, là. Genre, vraiment intense, là. Fait que là, j'ai dit à Anthony, prochaine fois, faut que tu me le rappelles que j'ai mal au ventre parce que ça me tente pas d'en reprendre. Parce que j'ai sérieux, mon corps, c'est vraiment habitué à mieux manger que... Ah, c'est vraiment chiant, ça. Ouais. Il s'est habitué à mieux manger, fait que quand que je prends quelque chose de même... ouais, il aime pas ça, mon corps. Bon, faire ma toque plus basse. Ouais, je me suis pas lavé les cheveux, j'ai peut-être regretté demain. Mais bon, dans le fond, je voulais vous montrer... ouais, c'est vraiment un drôle d'angle. Parce que j'ai pas vlogué beaucoup aujourd'hui. Je vais vous montrer un colis que j'ai reçu. Je capotais quand j'ai reçu ça. C'est de l'avion rose, puis dans le fond, c'est genre 4 modèles de brassières comme édition été. Puis, je voulais vous montrer cette brassière parce que je capote. Je l'ai déjà essayé. En fond, je l'ai porté hier. Je l'ai lavé parce que je trouvais ça bizarre vous montrer ça. Mais c'est ça. Je vais vous la montrer. Là, c'est pour ça que j'ai enlevé les étiquettes. Mais sur le petit papier, c'est écrit c'est la Unline Molded. Je sais pas comment prononcer ça, là, mais dans le fond, c'est un nouveau modèle de brassière. Puis, ok, c'est pas pour ceux qui veulent un pad parce que ça, il y a comme pas de pad. C'est vraiment comme une deuxième peau. Là. C'est fou, genre, c'est super mince. Mais c'est tellement confort là. Je sais pas si vous pouvez voir. Dans le fond, c'est mince là. Comme ça. Puis c'est tellement confortable. Ça fait drôle montrer de même. Mais ça fait vraiment bien. Puis c'est tellement confort là. Ouais, j'ai le capote dessus. Fait que je vais juste vous montrer ça. J'ai reçu aussi une bralette. Puis moi, les bralettes, c'est vraiment difficile. Trouver une bralette qui me fait... c'est parce que j'ai une poitrine plus forte, ça. Ils m'ont envoyé extra large, puis ça fait vraiment bien. Fait que je suis vraiment contente. La bralette, dans le fond, elle a des attaches, là, comme derrière, tu sais, comme une brassière normale. Mais comme ça, en avant, c'est vraiment trop beau. Fait que je suis vraiment contente. J'ai eu, dans le bleu pâle, j'ai ce modèle qui est... ouais, c'est ça, c'est le modèle strapless. Ouais, strapless. Convertible. Ton meilleur ami. dans le fond, tu peux mettre les bretelles de plein de façons, là. Fait que, il a l'air de ça. Puis, ça a pas mal l'air de mon autre modèle, là. Je vous montre, Ouais, j'ai ce modèle. C'est la même chose. Ça a l'air pas mal pareil. ce modèle strapless. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ça a l'air pas mal... C'est pas mal pareil. Ouais, c'est juste qu'une est en dentelle, puis elle est pas. Elle est pas en dentelle, là. C'est la vie en rose aussi. je me demandais si c'était le même modèle. Je pense que c'est le même. Puis ça tient super bien, là. Puis moi, j'ai vraiment de la misère avec les modèles comme ça, de brassière, comme pas de bretelles. Puis, tu sais, l'été, il t'en faut une. C'est elle. Ben, moi, dans le fond, c'est la dentelle que j'avais mis avec ma robe au meet-up. Cette brassière-là. Alors, elle tient bien. Ok, je suis vraiment contente de l'avoir dans une autre, motif, mais c'est pas parce que tu peux la mettre genre avec, avec des bretelles aussi. Là. Puis, ce modèle que j'ai reçu, c'est le Spacer Foam. Ça aussi, c'est genre le modèle le plus confortable au monde. Fait que celui-là, je vous en ai déjà parlé parce que je l'avais dans le rose pâle. Enfin, il me l'a envoyé dans le blanc. Mais lui,
tu sais, il n'y a pas de pad à l'intérieur, mais c'est ça, mettons, pour ceux qui ont, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont, ce modèle-là, qui m'avait écrit là, quand j'avais fait un concours. Lui, il est comme un petit, il est plus épais que l'autre, c'est pas le même genre de matériel, mais c'est quand même très mince. C'est juste, c'est plus épais que, mettons, le nouveau modèle qu'ils ont sorti, là. Puis, ça a l'air de ça. Fait que j'en ai une blanche, fait que je suis vraiment, vraiment contente. Des nouvelles brassières. Fait que c'est ça. Puis en passant, justement, la première là, que j'ai pris, c'est qui est super molle, ben, est super facile pour allaiter aussi. Fait que voilà. Puis il y a, j'avais reçu aussi un petit colis de chez Lush. Je voulais vous le montrer parce que ça sent trop bon. C'est le Deep Sleep. Et vous savez à quel point j'ai de la misère à dormir. Fait que c'est une shower jelly, une gelée pour le corps. Qu'est-ce que j'aime de ça? C'est comme un savon, mais en gelée, là. Vous pouvez voir, comme ça. Puis l'été, vous pouvez la mettre au frigo ou même au congélateur, puis la texture, elle change pas. Puis dans le fond, tu utilises un petit morceau pour te laver. Fait que celle-là, dans le fond, ça a une odeur vraiment calmante, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Ben, je l'ai pas testé, mais j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Mais j'aime spécialement les gelées pour l'été. Là. Moi, j'y mets dans le frigère. Là. J'aime vraiment la sensation sur le corps. Puis Anthony aussi aimait ça. Mais ça fait un petit bout que j'en ai pas eu. Là. Puis il m'a envoyé aussi la lotion corporelle Sleepy. Fait qu'elle a une odeur aussi de lavande. Fait que c'est vraiment comme calmant. Oh my god! Ça sent vraiment trop bon! Ah, oh my god! Sérieusement, ça sent trop bon. Fait que moi, je pense que ça va être une bonne idée. Parce que, tu sais, avec mon retour au travail, ma routine a changé. Puis, tu sais, c'est ça, j'essaie de me coucher plus tôt que d'habitude. Comme là, en ce moment, il est. Quelle heure? Il est 11h38. Ok. Puis, je vais me coucher là, après avoir, vous avoir montré ça. Ce qui est très tôt pour moi comparé à avant quand je me couchais comme à 3h du matin. Fait que dernièrement, je me couchais entre, mettons, minuit, max, 1h. Fait que c'est ça. Mais là, quand je vais aller au travail, faudrait que je me couche comme à 10h, là, au moins. En tout cas, je vais voir. Là. Mais j'ai de la misère à m'endormir tôt. J'ai de la misère à m'endormir tôt. Fait que peut-être avoir une petite routine comme calmante avant de dodo, ça va être bien. Fait que c'est ça. Je vous dis bonne nuit. Puis ça fait déjà 7 minutes que je parle. Alors, on se revoit demain. Puis demain, c'est le dernier examen à Anthony. Il y avait un examen aujourd'hui puis hier, ça a vraiment bien été. Il est vraiment confiant pour demain. Mais en plus, demain c'est genre le gros examen que genre faut que tu aies 60 pour réussir le cours. T'as pas le choix dans le fond. Je pense que son examen hier de bio, je pense que ça valait pour 40%. 40. En tout cas, c'était beaucoup là. Mais comme ça a vraiment bien été. Fait que. C'est sûr. Ouais. On espère que ça va bien aller demain. fait que c'est ça. Après, ça va être fini. Mais demain, c'est en après-midi. Son examen. Fait qu'il va pouvoir étudier quand même le matin. Puis, c'est ça. Il me reste 3 jours de congé. En fait, genre, là, comme on est jeudi, c'est comme si, dans le sens, quand je vais travailler, ça va être pareil. Genre, je vais avoir la fin de semaine de 3 jours. Fait que. Ah, mes cheveux sont vraiment dégueu. Fait que là, je vais me prendre un masque. Et je vais me coucher. Ou je me couche tout seul. En tout cas, à demain.